finir un quiz sur Pessah. Ah oui. Le niveau était très élevé. Ah. Donc n'hésitez pas à maintenir ce niveau. Merci beaucoup, Monsieur Miara. Mes chers amis, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je tiens à vous remercier de votre présence, parce que c'est important. Vous avez pris sur votre dimanche pour être participer à ce mouvement communautaire qui est pour une plus grande information, une meilleure information concernant la cache-route du Beit Din de Paris. Alors, si vous voulez bien, avant de commencer sur le Beit Din de Paris, je voudrais quand même dire quelques mots sur l'importance de la cache-route en tant que telle. Bon, j'imagine que si vous êtes là, vous mangez tous cachère, mais c'est quand même important de savoir à quel point c'est important de manger cachère. La première constatation que je voulais faire, la première remarque, c'est que quand vous lisez la Bible, vous remarquez que chaque fois que l'humanité a pris un nouveau départ, à chaque fois, ce qui est mis en avant, c'est la question alimentaire. On commence par le début de l'humanité, le premier homme et la première femme. Dieu va leur donner un commandement pour commencer, un seul. C'est quoi ? Ne pas manger du fruit. C'est le cache-route de l'époque, c'était ça. Ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Et malheureusement, ils ont mangé. Ça a été la première étape. Deuxième étape, ça a été avec le déluge, Noé. Donc il y a eu 1600 années qui ont passé, l'humanité a été dépravée comme pas possible, Dieu a été obligé de dire on va tourner la page, on efface tout et on recommence. C'est l'histoire de Noé, sa femme, ses enfants vont être dans l'arche et pendant ce temps-là le monde entier va être noyé dans le déluge, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui se passe au moment où Noé sort de l'arche ? Le premier commandement qu'il reçoit, c'est « Jusqu'à présent, vous étiez des végétariens, vous mangiez vegan. À partir de maintenant, vous pouvez manger animal. » Parce qu'on s'est rendu compte que le fait de manger vegan n'était pas une protection sur le plan moral. On a eu la démonstration pendant 1000 années. D'accord ? Donc, maintenant, vous pouvez manger de l'animal. Mais attention ! Vous n'avez pas le droit de manger un membre prélevé sur un animal vivant. Vous n'avez pas le droit de manger du sang qui a été prélevé sur un animal vivant. Qu'est-ce que vous constatez ? Au moment où l'humanité prend un nouveau départ, à nouveau, la première préoccupation de Dieu, c'est qu'est-ce que vous allez manger ? C'est incroyable ! On continue encore. On arrive à la sortie d'Égypte. On arrive bientôt, nous, à la fête de Pessah. Vous avez répondu à un quiz sur la fête de Pessah. C'est quoi la fête de Pessah ? C'est les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte et qui ont constitué un peuple. Jusqu'à présent, c'était des tribus. En sortant d'Égypte, ils sont constitués comme peuple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au moment de sortir d'Égypte ? Qu'est-ce que Dieu leur demande ? De manger un sacrifice pascal. D'offrir à Dieu un sacrifice pascal et d'en manger une partie, de manger des matzot, de manger du maror, de ne pas manger de chametz. À nouveau, on est dans l'alimentaire. En permanence, on est dans l'alimentaire. Là, nous allons maintenant, Shabbat prochain, c'est la parashat Shemini. Dans la parashat Shemini, on parle de nouveau de loi de la cache-route. Alors là, toutes les lois de la cache-route, les espèces permises, les espèces interdites. Pourquoi ? Parce que là, on vient d'inaugurer le tabernacle. Donc, c'est une nouvelle période pour la communauté d'Israël. Et hop, régime diététique de la Torah. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Alors, on voit que c'est important, mais je voudrais expliquer pourquoi c'est important. Parce que par la discipline acceptée d'un régime alimentaire, on donne à notre corps l'habitude d'obéir à Dieu. On fait prendre à notre corps le pli de l'obéissance à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est une lumière pour le reste de la vie. Et c'est pour ça que dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es.
Ça, c'est un premier point concernant l'importance de la cache-route. Un deuxième point, et je m'arrêterai là-dessus sur, au niveau de la signification de la cache-route. Dans la Torah, on remarque en permanence que les lois alimentaires sont mises en relation avec ce qu'on appelle en hébreu la kedusha. Vous savez ce que c'est que la kedusha en français ? C'est la sainteté. La sainteté, est-ce que c'est important pour le judaïsme ? Eh bien, il faut que vous sachiez que lorsque Dieu a donné la Torah à Israël, il leur a dit, je vous demande que deux choses. Atem tiuli mamlechet kohanim de goy kadosh. Vous serez pour moi une royauté de prêtres, c'est-à-dire les prêtres des nations, vous allez donner les, vous serez un phare pour les nations, et un peuple saint. Donc la sainteté, c'est le but que Dieu nous a demandé d'atteindre par les mitzvot. Alors maintenant, il y a trois types de sainteté. Il y a un livre de Kabbale très ancien qui s'appelle le livre de la création, en hébreu Sefer Yetzira, qui dit qu'il y a trois niveaux de sainteté. Il y a Kedushat HaAdam, ou la sainteté de l'homme. Il y a la sainteté Zman, du temps. Et il y a la sainteté du Olam, c'est-à-dire de l'espace. La personne humaine, le temps, l'espace. Nous avons trois mitzvot centrales dans le judaïsme qu'il faut absolument, tout le monde doit l'accomplir. Le Shabbat, Tarat HaMishpacha, la pureté familiale, et la Kashroute. Tarat HaMishpacha, la sainteté familiale, vous savez, c'est les lois du mikvé pour les dames, les relations entre mari et femme qui sont gérées par la Torah. Ça permet la pureté familiale. On appelle ça la pureté familiale. Ça permet d'avoir des enfants qui sont dans la sainteté. Ça, c'est la sainteté de la personne. C'est le niveau de Kedushat HaAdam. Le Shabbat, c'est évidemment la sainteté du temps. Et la Kashrout, de manière surprenante, et ce n'est pas très connu, c'est la sainteté de l'espace. Vous allez me dire, mais quel rapport entre la Kashrout et l'espace ? Parce que la Kashrout a besoin d'espace. Pour travailler la Kashrout, il faut d'abord une cuisine. Je dirais ici un laboratoire. Et puis ensuite, il faut une salle à manger. Et après, il faut la table sur laquelle on mange. On sait que la table est comparée à l'autel. Donc finalement, avec ces trois mitzvot centrales, qui sont vraiment les prioritaires dans toutes les mitzvot, eh bien, on a accompli les trois saintetés, du temps, de la personne et de l'espace. Et la Kashrout, c'est donc la sainteté de l'espace. Et puisque vous avez fait un quiz sur Pessah, je dirais qu'à propos de Pessah, c'est encore un peu spécial, parce qu'il y a des lois alimentaires spécifiques, interdiction de manger du chametz, mais qui est restreint dans le temps. Donc la fête de Pessah nous donne l'occasion, par la Kashrout, d'avoir à la fois la sainteté du temps et la sainteté de l'espace. Et peut-être on peut rajouter la sainteté de la personne, parce que si on mange ce qui est kasher, ça sanctifie la personne aussi, et sinon, sans doute le contraire. Voilà, mes chers amis, en quelques mots, quelles sont les grandes valeurs de la kashrout et pourquoi c'est si important, et c'est pourquoi le consistoire met un tel effort pour que tous ceux qui le désirent aient la possibilité de manger kasher, donc à la fois en produisant des produits qui sont kasher, à la fois en surveillant et en contrôlant des établissements qui permettent de s'alimenter de produits qui sont kasher. Alors, dans le temps restreint qui nous est imparti, et je vais laisser un temps pour les questions, parce que les questions, c'est toujours ce qu'il y a de plus important dans les conférences. Donc, je ne vais pas vous faire maintenant tout un exposé sur les lois de la kashrout. D'ailleurs, la plupart d'entre vous connaissent les plus grands principes. Ce que je voudrais, c'est d'abord, de la théorie à la pratique, je vais terminer par la pratique, je vais vous dire qu'est-ce qui se fait sur le plan opérationnel sous le contrôle du Bédin de Paris, au consistoire de Paris. Mais avant cela, je voudrais quand même traiter un sujet, parce que c'est un sujet qui est très peu connu du grand public et souvent objet de grands malentendus.
Par exemple, les gens disent, est-ce que toi tu manges glatte ? Moi je mange glatte, moi je mange pas glatte. Que veut dire le mot glatte ? Personne ne saura vous dire qu'est-ce que ça veut dire glatte, ou très peu de gens. Et donc tout ça est lié à une chose, c'est à la cache-route de la viande. Donc je voudrais consacrer quelques minutes pour vous donner les grands principes concernant la cache-route de la viande. Je ne rentre pas dans les espèces permises, interdites. Vous savez toutes qu'il y a des espèces qui sont interdites. On ne parle que des espèces qui sont permises. Mais je voudrais vous donner quelques règles pour vous montrer, d'abord pour vous informer de la manière dont une bête peut être considérée comme cachère au niveau de l'alimentation. Quels sont les interdits à contourner et donc les règles à respecter. La première des choses, quand on a un animal que l'on veut abattre, donc il s'agit soit de quadrupèdes, soit de volailles, eh bien, le chochet doit avoir un couteau spécial qui est son acte, l'acte de jugulation qui va permettre de mettre à mort l'animal, doit obéir à 5 conditions. Et si une des conditions n'est pas respectée, l'animal est déclaré définitivement interdit à la consommation. En hébreu, on appelle ça nevela. Alors, je vous dis, c'est quoi les cinq conditions. Il faut, par exemple, que la section se fasse sans pression. C'est pas la pression du couteau. C'est un mouvement de va-et-vient du couteau qui va inciser et qui va permettre de juguler la trachée artère et le tuyau, le canal qui mène à l'œsophage. Ce sont les deux tuyaux, en quelque sorte, qu'il faut sectionner, mais sans pression. Il y a une section claire dans le cou qui doit être ni trop haut ni trop bas. Il y a aussi, il faut que le couteau soit tout le temps à l'extérieur. Il faut qu'il soit visible du début à la fin. Il faut que le mouvement d'aller-retour se fasse sans la moindre interruption. Si le chochet a fait comme ça, il a soufflé, il a recommencé, hop, on l'écarte. Et last but not least, il faut que le couteau soit effilé d'une manière parfaite. Vous savez que le chochet passe son ongle et son doigt sur le couteau. S'il sent la moindre accroche, le couteau n'est pas valable. Et donc, avant la shrita, après la shrita, on vérifie le couteau. Et tout ça, c'est pour vous dire pourquoi la Torah, elle a dit ça. Parce que, contrairement à ce qui se dit dans la rue, il n'y a pas de méthode plus douce d'abattage d'une bête que la méthode préconisée par la Torah. Ce mouvement de va-et-vient avec un couteau effilé fait qu'il n'y a absolument aucune sensation. On le sait par l'expérience. Moi, j'avais un neveu qui travaillait chez nous dans la shrita. À un moment donné, il s'est coupé avec son couteau parce que la bête a fait un mouvement et le couteau lui est rentré dedans. Il ne s'en est pas rendu compte. Il a commencé à avoir une hémorragie et à perdre connaissance. Et c'est son collègue qui était à côté de lui qui a tout de suite appelé les secours. Lui n'avait rien senti. Donc c'est pour vous dire que l'animal ne sent strictement rien. Et c'est pourquoi je dis aussi, ça aussi, j'ouvre une parenthèse, il faut aussi être nos ambassadeurs. On nous reproche de faire un abattage sans étourdissement préalable. Vous savez qu'est-ce que c'est comme chutzpah ? C'est quoi l'étourdissement préalable que font les autres ? L'étourdissement préalable consiste à prendre un pistolet et à fracasser la cervelle de l'animal. Alors comme il tombe tout de suite, alors les gens se disent, voilà, il n'a rien senti. Mais vous imaginez quelle souffrance c'est. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, il ne sent plus rien. Mais vous savez quelle souffrance ça a pu être, quelle violence ça a pu être d'avoir fracassé la boîte crânienne de l'animal. Tournez juste un peu. Ah. Et donc, ouais, c'est mieux comme ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que notre système à nous, il est indolore pour l'animal du début à la fin. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Après qu'on lui ait coupé, il n'a rien senti. Il y a ensuite le sang qui sort à toute vitesse et ça crée une dépression qui est telle qu'il ne sent plus rien. Il y a un phénomène
chez les hommes, les gens qui ont fait, qui sont pilotes d'avion, ils savent qu'il y a, un cas, on appelle ça le voile rouge. C'est lorsque l'avion descend très vite. Il y a une chute de tension, le pilote perd connaissance et quand il se réveille, il a tout oublié. C'est exactement ce qui se produit avec la Shrita. Donc c'est pour vous dire qu'on peut être fier de notre système. Il n'y a pas de système qui tient plus compte de la souffrance animale que la religion juive. Il y a énormément, on pourrait développer, ça serait déjà une conférence pour montrer tout ce qui existe chez nous pour ça. Mais donc, on nous fait un procès qui est complètement injuste. Et ça, pour moi, c'est vraiment un regret qu'on ait accepté à l'époque que ce soit juste une dérogation qu'on nous donne. Ce n'est pas une dérogation qu'on devrait nous donner, on devrait nous donner une reconnaissance. Et il faudrait dire, reconnaître que notre système est le meilleur au monde. Toujours est-il que si jamais, je reviens à mon sujet, si le shochet n'a pas accompli l'une des 5 règles que je vous ai citées, l'animal est déjà interdit. Donc ça demande déjà une grande formation et il faut donc que la personne qu'on appelle un shochet, celui qui est chargé de ce travail, soit très bien formé et il soit également craignant Dieu pour reconnaître que si jamais il a fait une petite erreur, il déclasse l'animal. Maintenant, l'animal a été correctement abattu. Est-ce que pour autant il est obligatoirement kasher? La réponse est non. Parce que s'il est porteur d'une lésion qui pourrait le rendre malade et jusqu'à la mort, cette lésion le rend interdit à la consommation aussi. On appelle ça taref. Donc il y a nevela et il y a terefa. Donc nevela, c'est quand l'acte d'abattage n'a pas été fait correctement. Et terefa, c'est lorsqu'il y a une lésion dans l'animal qui fait que l'animal n'était pas kasher. Alors en général, les lésions, on les connaît déjà parce que si l'animal se présente en boitant ou des choses comme ça, alors on sait qu'il y a des lésions et on va les chercher. Mais pour le reste, ou alors il peut y avoir par exemple des lésions dans les méninges. Évidemment, si le méninge est perforé, l'animal est taref. Mais si l'animal avait une méningite, ça peut se distinguer, donc on peut tout de suite le rechercher. Si l'animal ne présente pas de signes distinctifs, on va d'après la règle de la majorité, on considère qu'il est sain. Sauf pour un organe. Quel organe? Le poumon, comme disait le malade imaginaire. Le poumon, vous dis-je. Dans le poumon, il peut y avoir des perforations qui ont été provisoirement remplies par des membranes, mais qui ne sont pas considérées comme kasher pour autant. Et donc, c'est pourquoi la loi juive, oblige systématiquement à contrôler. On ne contrôle pas tous les organes, mais on contrôle les poumons. Et alors, si on se rend compte que le poumon est perforé, la bête est déclarée taref. Alors, que faut-il qu'il y ait pour que le poumon soit considéré comme valable et l'animal entièrement kasher? Il y a ici différentes écoles. Il y a l'école du Beit Yosef. Vous savez qui était le Beit Yosef? Le Beit Yosef, c'est le nom d'un livre. Ça veut dire le monument de Joseph. De quel Joseph parlons-nous? Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo est l'auteur de notre code de loi qui s'appelle le Shulchan Aruch. Mais il avait fait avant cela un autre livre qui s'appelait le Beit Yosef. Donc ce Rabbi Yosef Karo, lui dit que pour que l'animal soit kasher, il faut qu'il n'y ait pas la moindre membrane. Si vous trouverez la moindre petite membrane, alors à ce moment-là, il est déjà considéré comme taref. À l'opposé, le Roma, Rabbi Moshe Isserles, qui était rabbin à Cracovie, à la même période, Rabbi Yosef Karo était à Safed, en Israël, on est au XVIe siècle, et le rabbin Moshe Isserles était à Cracovie, en Pologne. Lui dit, non, faut pas être si sévère que ça. Si vous voyez des filaments comme ça, vous les enlevez et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez les gonfler comme on ferait avec une chambre à air et vous la mettez dans une bassine. Si ça fait des bulles, alors là, ça veut dire que quand on a enlevé l'adhérence, qu'on appelle l'adhérence, alors ça prouve qu'il y avait un trou. Et dans ce cas-là, c'est taref. Mais si quand vous enlevez l'adhérence, et que vous avez gonflé, vous avez mis dans une bassine, ça n'a pas fait de bulles, c'est kasher. Donc, on a ici donc deux standards, un qui est kasher
et l'autre qu'on appelle complètement lisse d'après le Bet Yosef. Vous savez comment on dit ça en hébreu ? Chalak Bet Yosef. Vous avez dû entendre parler Chalak Bet Yosef sans savoir ce que c'est. Chalak Bet Yosef, ça veut simplement dire que le poumon que l'on a examiné ne présentait aucune adhérence et que d'après toutes les opinions, il y a c'est caché. Maintenant, en Pologne, mais beaucoup plus tard, vers le 19e siècle, il y a eu des rabbins, donc en Pologne on faisait comme le rabbi Moshe Isserles, il y a eu des rabbins qui ont dit, c'est quand même un peu léger de faire comme le rabbin, c'est la loi, mais on aurait aimé se rapprocher un peu de ceux qui sont plus sévères. Ils ont créé un nouveau standard, ils ont dit qu'il y a certains filaments qu'en fonction de leur taille, on peut considérer qu'ils ne sont pas des filaments et on n'en tient pas compte. Et donc, alors il fallait trouver un nom pour désigner ce nouveau standard. Alors, en hébreu, on a dit que chalak, ça veut dire lisse. Alors, comment on dit lisse en yiddish, puisqu'en Pologne, on parlait yiddish, c'est-à-dire judéo-allemand. Vous savez comment on dit lisse en judéo-allemand ? Glatt. Voilà. Et donc, du coup, vous avez trois standards, le kasher, le glatt, et le chalak Bet Yosef, d'accord ? Alors, tout ça, c'est uniquement pour les quadrupèdes, parce que les poumons des oiseaux, des volatiles, il n'y a pas cette question-là. Alors, des fois, on vous pose la question sur un poulet, est-ce qu'il est chalak Bet Yosef ? On peut répondre que oui, parce qu'il n'y a pas de problème au niveau des poules, des poulets ou des canards. Sauf dans certains pays où il y a des maladies des poumons chez les volatiles. Alors, c'est autre chose. Mais en France, on n'est pas concerné. Donc, j'étais en train de dire... Alors, maintenant, vous allez me poser la question. Alors, Obédine, comment se fait ? Qu'en est-il ? Alors, quand vous faites... Vous abattez 100 animaux. Sur les 100 animaux, 100 bêtes, vous allez avoir peut-être 8% qui seront Chalak Bet Yosef. Vous aurez encore 20% qui seront chalak. Et vous aurez encore 10% qui seront kasher. Mais automatiquement, on aura du chalak, on aura du Bet Yosef, et on aura du chalak Bet Yosef, on aura du glat, et on aura du kasher. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on met les étiquettes sur chaque... aujourd'hui, ce qu'on a fait beaucoup, c'est aussi un progrès immense qui a été fait et qui est récent, c'est que toutes les kasherisations... Les découpes de viande et les cachérisations se font de façon industrielle. C'est-à-dire non plus à la boucherie, mais se font déjà sur place, à l'abattoir ou à côté de l'abattoir. Et donc, la viande, elle est tout de suite mise sous vide et dans un paquet avec une étiquette. Ce qui permet de mettre sur l'étiquette quelle a été exactement la qualité de la viande. Donc, si vous voulez du chalak Bet Yosef, Vous recherchez dans les paquets de viande sous vide, vous regardez l'étiquette Chalak Bet Yosef, vous avez du Chalak Bet Yosef Bédine de Paris. Et lorsque vous avez, et si vous vous contentez de glat, vous trouverez aussi des étiquettes où il y a écrit glat. Et s'il y a écrit kasher, alors ça voudra dire que c'est ni Chalak Bet Yosef ni glat, mais juste kasher. Mais je voudrais rajouter encore quelque chose. Le standard de kashrout du Bédine de Paris, ce qu'on appelle kasher de base, qui a été instauré du temps du grand rabbin Rachamim Naouri, Zecher Tzadik Livracha, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'est lui qui a mis au point toutes les règles de kashrout du Bédine de Paris. Il était lui-même boucher à la base, donc c'était un connaisseur extraordinaire, outre le fait que c'était un grand érudit et une personne extrêmement intelligente. Et donc, c'est lui qui a déterminé les standards de kasher, chalak et glat. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que ce que nous, on appelle kasher, qui est la base, équivaut à ce que les autres kashrouyot appellent chalak. Donc, en vérité, si on voulait, et des fois, on le dit, nous, on fait une distinction entre kasher et chalak, mais il faut savoir que notre kasher, c'est le chalak des autres. Et, notre chalak, c'est le chalak Bet Yosef des autres. Donc, en mangeant du kasher Bedid, vous êtes vraiment assuré d'avoir... un des niveaux les plus élevés au monde de kashrout. Et là encore, je rencontrais quelqu'un qui travaille dans les abattoirs. Il me dit, nous avons des rabbinats qui viennent d'Eretz Israël, la Mehadrin, et qui sont épatés du niveau de shrita
et de Bédica. La Bédica, c'est le contrôle des poumons dont j'ai parlé. Et de Nicour. Le Nicour, c'est, il faut enlever. Alors oui, parce que j'ai pas tout, j'ai pas encore dit tout ce qui était interdit dans la viande. Je vais bientôt terminer ce chapitre de la viande. Tout le monde sait aussi que le sang est interdit. Donc il faut cachériser la viande, soit par la salaison, soit par la grillade. Mais donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, de plus en plus, ça se fait de façon industrielle. Et donc, vous n'avez plus ce problème-là, au Bédine de Paris. Et il y a aussi un autre problème qui est très grave, c'est les graisses. Il y a des graisses qui sont interdites par la Torah de manière très grave. Très grave, c'est-à-dire que dans la hiérarchie des interdits, c'est plus grave, par exemple, que du porc. Vous vous rendez compte? Et donc, ça aussi, on a besoin de spécialistes qui savent les enlever. Et nous avons les meilleurs spécialistes. Aujourd'hui, tout à l'heure, était là, venu au salon, un spécialiste qui a dit que quand ils se font auditer par des rabbins de Mehadrin d'Eretz Israël, ils sont épatés de la qualité de notre travail. Un gros travail a été fait à ce niveau-là, et vraiment, on peut être fier de notre cache-route. Et donc, quand je vous dis tout ça, c'est pour vous demander aussi d'être nos ambassadeurs et de répercuter à l'extérieur ce que vous avez entendu aujourd'hui. Quand les gens ils veulent le meilleur du meilleur, ils se disent ouais, mais ça c'est Bedin. Mais sachez que Bedin, c'est le top niveau dans la cache-route pour la viande, par exemple. Voilà ce que je voulais dire concernant la viande. Alors maintenant, j'aurais voulu dire quelques mots au niveau de, je vais vous donner la parole dans quelques instants, mais je voudrais dire quelques mots au niveau des différentes réalisations pratiques que fait le Bedin de Paris sur le plan de la cache-route. Alors, on a parlé de la shrita, je n'y reviens pas. Qu'est-ce que le Bédine de Paris fait également de façon importante? Le vin. Le vin kasher Bédine. Alors, sachez que le Bédine surveille des vins qui proviennent d'une vingtaine de caves, dont la moitié sont dans le Bordelais. Et chaque fois, il y a des interventions pour le faire. Vous savez que pour le vin kasher, il faut que ce soit uniquement des personnes qui sont shomrei mitzvot, qui manipulent le jus de raisin, le vin, etc. Donc il y a, dans une fabrication de vin, quatre interventions qui se font au fur et à mesure du temps. Nous sommes organisés de telle manière qu'il y a chaque fois, pour chaque vin et pour chaque intervention, trois contrôleurs, trois shomrim et un chef d'équipe. C'est pour vous dire comment le nombre de ressources humaines que nous mettons pour intervenir et pour garantir le niveau optimal de cache-route, parce qu'il y a la cachérisation des cuves, parfois, enfin, il y a toutes sortes de choses. Et ensuite, il y a la mise en bouteille. La dernière étape, c'est la mise en bouteille. Et là, on se contente de deux shomrim plus un chef d'équipe. Alors là aussi, souvent, je rentre dans des épiceries. C'est vrai que les épiceries n'ont pas de contrôle. Ça, j'ouvre une parenthèse. Les épiceries, je ne donne pas de nom, mais toutes les épiceries cachères, il n'y en a aucune qui porte un label de cache-route. Il faut faire très attention. C'est comme elles sont contrôlées par aucun rabbin. C'est eux qui achètent des produits. Ils peuvent se tromper. Et donc, il faut toujours vérifier de manière très précise que ce que vous achetez est porteur d'un label de cache-route qui est très strict. Je vous donner un exemple. Il y a quelques années, dans une synagogue de banlieue, a commandé chez un épicier dont je ne donnerai pas le nom, évidemment, des matzot pour Pessah. Donc, on a commandé des matzot et des matzot Rosinski. Je vais en parler dans quelques instants. Nous faisons des matzot Bédine de Paris. Et alors, le rabbin s'est étonné que sur le paquet, il n'y avait pas écrit Kasher le Pessah. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas écrit Kasher le Pessah? Donc on m'a appelé, mais j'ai dit, mais c'est très simple. On fait des matzot Rosinski pendant toute l'année. Ils sont chametz. Pour qu'ils soient Kasher le Pessah, il faut qu'il y ait le tampon Kasher le Pessah. Donc eux, ils ont commandé des matzot Rosinski Kasher le Pessah. La personne qui est le manutentionnaire qui a pris, je vois pas la différence, c'est des Pakistanais ou c'est des... Donc eux, ils ont vu simplement Rosinski. Donc ils ont pris des Rosinski, ils ont livré du Khamet.
Si le rabbin n'avait pas été vigilant, eh ben ils auraient mangé du chametz à Pessah. Donc, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc il faut absolument vérifier tout ce que vous achetez. Parfois il y a des produits, il n'y a pas de herscher. Parfois il y a un herscher, mais il n'est pas bon. Donc il ne faut pas faire confiance, il faut vraiment contrôler. Et donc je disais ça par rapport au vin. Ce qui m'agace souvent, je rentre dans des... Enfin je ne rentre pas tellement, mais on me dit que parfois même je rentre ou ma femme rentre et elle cherche du vin Bédin. Il y a toutes sortes de vins, mais il n'y a pas de vin Bédin de Paris. Pourquoi ? Bon, ils n'ont pas jugé utile. Alors, ce que je vous demande à vous, c'est d'être nos ambassadeurs. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui arrive à orienter les commerçants, c'est la clientèle. Si la clientèle dit, mais pourquoi vous n'avez pas de vin Bédin de Paris ? Bon, ils ont un, deux, trois va dire ça, ils vont comprendre, ils vont en amener. Surtout si moi j'ai des gens dans ma communauté, ils disent, ah, vous n'avez pas de vin Bédin de Paris ? Bon, je ne vous prends pas. Et ils sortent. Alors dans ce cas-là, ça peut bouger. Donc voilà un petit peu le message que je voulais vous adresser et je vous en remercie très, très, très sincèrement à l'avance. Donc je disais donc qu'on fabrique des matzot. On fabrique des matzot, on a deux fabricants de matzot. On a les matzot Ashkenaz, si on veut dire, les matzot Rosinski depuis des années et des années. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, ils sont maintenant exportés aussi aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils n'avaient pas de matzot de cette qualité-là. Dans tous les États-Unis, il n'y avait pas de matzot de cette qualité-là. Et donc, il y a un organisme de cache-route qui s'appelle le Starkey. Alors, je fais une petite interruption. Je vous demande une toute petite pause. Réfléchissez aux questions, parce que... Ah. Oui. Ah, vous allez faire Mincha. Oui, ça peut. Non, alors je vous laisse terminer, je ferai Mincha ailleurs. Ministre de la Clita. Alors attendez, je termine, je vous donne la parole en quelques instants. Hein. Ce que je voulais dire, donc, on a les matzot. J'ai parlé des matzot Rosinski, je disais oui qu'aux États-Unis, ils sont maintenant validés aux États-Unis par le label de Kashrout, le Starkey et Twalka. Sont venus, ils ont été impressionnés aussi de notre niveau de cache-route, et ils ont mis leur tampon dessus, et ça va aux États-Unis. Pour vous dire, à part ça, on a aussi les matzot d'Agen. Et puis, alors, il y a toutes sortes de produits également, mais vous trouvez dans la liste des produits sélectionnés, qui sont en général des produits où il n'y a pas de herscher, mais il y a aussi quelques produits sous herscher qui sont conseillés au fur et à mesure, par exemple les dragées, par exemple, ou toutes sortes d'autres produits qui, sans porter notre label, sont certifiés par nous. Voilà donc, en quelques mots, voilà ce que l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Et donc, je dis qu'il y a des milliers de bêtes qui sont abattues, si ce n'est tous les jours, du moins toutes les semaines. Comment se fait un échantillonnage ? Je pense qu'il n'y a pas de contrat aujourd'hui. On doit prendre certaines bêtes et regarder si par échantillonnage, elles sont bêtes cachères ou elles sont cachères. Donc, si vous avez bien compris, la qualité cachère ou glade cachère ne se vérifie que post-mortem. Donc quel échantillonnage ? J'ai pas compris votre question. Est-ce que toutes les bêtes abattus sont contrôlés, ou est-ce qu'on procède par échantillonnage? Ah non, c'est toutes les bêtes. Toutes les bêtes, on ne peut pas se permettre une seule bête. Toutes les bêtes abattues par jour. Ah, il n'y en a pas autant. On n'a pas autant dans un abattage, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 100 au maximum. On n'a pas 100... Non, je parle dans un abattoir donné. Dans un abattoir donné, c'est 100... Alors, mais même sur toute la France, je ne pense pas que... On a peut-être même le chiffre de 1000, ça me paraît beaucoup. Mais, je vous en remercie infiniment. Mais donc, c'est pas possible de laisser une bête sans contrôle. Impossible. Il n'y a pas d'échantillonnage. Là. Alors, question suivante. Je vais juste faire une bracha. Bonjour à toi, de Noy, Eloy, Noumelech, Oelom, Shakon, Yébid, Boroy.
Ladies first. Oui, et avec votre permission, vous enregistrez pour clore les débats chez moi. Ah, c'est sympa. Donc, si vous le permettez, je ferai écouter mes enfants. Avec plaisir. Et justement, les débats, est-ce que nos origines, que Joseph Caro, est-ce que nos origines pourraient être indigènes selon les grands voyous, c'est pareil, moi je l'ai dit, au sujet, c'est une question qui se discute beaucoup. Ah, c'est une très bonne question, j'en remercie beaucoup. Et grâce au mariage mélangé, bien sûr. Nous avons cette discussion. Alors, est-ce qu'un séparat peut manger du bétail ? Absolument. La règle chez nous est que nous faisons les raids, parce que dans le raid d'abattage, il y a sur chaque détail, il y a des cas où c'est plutôt l'autorité ashkénaze qui est plus sévère et parfois le contraire aussi. La règle chez nous, c'est qu'on prend les roumrottes des deux, toujours. On prend toujours le standard plus haut. Alors maintenant, par rapport au problème de Khalak Bet Yosef, qui là n'est pas, puisqu'on permet aussi les autres, on donne la possibilité à ceux qui prennent de prendre Khalak Bet Yosef de le faire. Mais il faut savoir, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il y a les séfarades du Maghreb et il y a les séfarades du Mashrek. Vous avez compris, vous savez ce que ça veut dire ? Non ? Alors, il y a les Juifs d'Afrique du Nord et il y a les Juifs du Proche-Orient. C'est pas la même école du tout. Et Dieu a bien fait les choses parce que au Maghreb, c'est-à-dire Algérie, Maroc, Tunisie, les lois et les usages ont toujours été extrêmement proches de celles des Ashkenazim. Et donc très souvent, on fait les séfarades, ils font comme les Ashkenazim et pas comme le Shulchan Aruch. Je donnerai un exemple. Pour les connaisseurs, la bracha, le Rosh Chodesh, la bracha sur le Hallel. Chez les Sépharadim d'Afrique du Nord, le Chazan fait la bracha et il acquitte tout le monde. Au Moyen-Orient, en Eretz Israël, on ne fait pas de bracha. Et lorsque le Rav Shalom Messas, Zichrono Livracha, est arrivé en Israël et est devenu Rabbin de Jérusalem, il a voulu faire sa bracha. Le Rav lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas le droit. Et lui, il a tenu bon. Donc c'est juste un exemple parlant, comme quoi, dans le monde Ashkenaz, par exemple, le Roma, un des décisionnaires sur lequel il s'appuie le plus, c'est le Rivash. Qui était le Rivash? Rabbi Yitzhak Bar Shechet Bar Fat d'Alger. C'est le Rav d'Alger qui conditionne les lois du Roma. Le Mishnah Brura, vous avez entendu parler du Mishnah Brura, un des auteurs qui cite le plus, c'est le Matei Yehuda. Qui était le Maté Yehuda? C'était Rabbi Yehuda, je vous dis son nom maintenant, Rabbi Yehuda. Les noms m'échappent maintenant. Qui était l'Alger, Rabbi Yehuda Ayash, qui était rabbin Alger. Et donc l'Algérie et la Pologne étaient extrêmement proches au plan halakhique. Donc nous, on fait les khumrot, qui sont, c'est-à-dire les mesures sévères, les plus sévères qui satisferont à la fois le public ashkenaze et le public séfarade d'Afrique du Nord. Voilà. Ce soirée, clair. Alors attendez, monsieur avait posé la question. Question, on a entendu tout à l'heure qu'on pouvait consommer jusqu'à la 11e côte, mais pas la moindre bête. Alors, il y a deux raisons. On en parlait justement avec une personne qui est responsable de cela. Tout à l'heure, il y a deux raisons. La raison la plus connue, c'est l'interdiction du nerf sciatique. Vous savez qu'il y a la Torah interdit de manger le nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est dans les quartiers arrière, c'est pas dans les quartiers avant. Et c'est extrêmement difficile à dénerver. Et d'ailleurs, quand vous le dénervez, après, il ne reste plus rien. C'est immangeable. Donc ça ne valait pas la peine de... C'était trop dangereux, on risquait que le dénervage ne se fasse pas correctement, qu'il reste un petit peu de nerf interdit, et donc on a donné... Donc c'est pour ça qu'on a interdit. Maintenant, la question qui m'a été posée, c'est que, oui, mais dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la 10e côte, on pourrait baisser un peu plus. Alors la raison pour laquelle on a monté un peu plus haut que le nerf sciatique,
c'est qu'il y a un autre interdit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous en avez parlé tout à l'heure? Oui, la graisse. Je dis que la graisse, c'est encore plus interdit que le porc. Et à cet endroit-là, il y a énormément de graisse. Et on avait peur qu'un contrôleur, ça lui échappe. Et alors là, c'est la fin des haricots. Donc c'est pour ça qu'on a dit on ne prend pas de risque. Attendez, madame était avant vous. Assure ça. Alors, je ne sais pas. Je ne connais pas la situation en Israël. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse. Il faut connaître. Vous savez qu'il y a beaucoup de standards. Il y a beaucoup de standards qui sont différents en Israël. Et donc, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Merci. Madame. Excusez-moi, je voulais savoir... On prévoit d'aller à Vienne et à Budapest. Oui. Et donc, je voudrais savoir comment avoir la liste des restaurants et des épiceries cachères. Et là, on va être sûr de pouvoir acheter. Vous avez raison. Parce que ce n'est pas évident à trouver. Non, bien sûr. Alors, ça moi, à titre personnel, je ne peux pas vous répondre. Mais si vous appelez au consistoire. Au consistoire central de préférence, ils arriveront à faire la recherche et à vous donner la réponse. Ouais. Et moi, je voulais savoir, quand on va dans les magasins cachers, il y a différents types de cachers. Sinon, il connaît pas. Par exemple, quand on achète des produits, on ne peut pas manger. Si c'est la cache-croûte du rabbinat de Milan, Alors, c'est une très bonne question. Donc, alors, je vais vous donner quand même quelques règles. Donc, d'abord, vous donnez la priorité au Beit Din de Paris, s'il y en a, ça c'est sûr. Maintenant, si c'est pas le cas, il faut prendre des rabbinats officiels. Comme vous dites, rabbinat de Milan, c'est déjà le rabbinat d'une ville. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a pignon sur rue. Et vérifier que l'organisme certificateur est du même pays que l'endroit où ça a été fabriqué. Voilà un critère intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous l'avez, le rabbin de Milan, il va vous donner un recherche sur un produit italien. Vous pouvez lui faire confiance certainement sans aucun problème. Mais si vous voyez que le rabbin de Cracovie, il a donné son contrôle sur un produit fait en Chine, j'émets le plus grand doute. Vous voyez? Alors, si c'est des organismes très, très connus comme le OU, le OK, on sait qu'ils ont des agences dans le monde entier, c'est différent. Mais sinon, si c'est des rabbinats locaux ou des logos pas très connus, s'il n'y a pas cohérence entre le pays et le rabbinat, c'est très problématique. Déjà, ils ne vont pas connaître la langue, ils vont se retrouver dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue, comment ils vont faire leur enquête? Donc, c'est très compliqué. Donc, voilà comment... Quelques critères qui permettent une piste. Quels sont les rapports avec la cache-croûte orthodoxe Rasmottenberg? Quels sont vos rapports avec ça? Des rapports, dans quel sens? Il n'y a pas vraiment de rapport, puisqu'on est quelque part en compétition, de quelque part. Donc, c'est ça, en fait. Bon, on se connaît, on se respecte mutuellement, mais sur ce plan-là, chacun travaille pour sa chapelle. C'était intentionnel, bien sûr. Oui. Vous avez évoqué par rapport au supermarché cachère pour rentrer dans une. Pourquoi pas contrôler le supermarché cachère? Mais ils ne sont pas demandeurs. Il faut un contrôle ne s'offre que s'il fait appel à une demande. On répond à une demande. Lorsque nous contrôlons tel restaurant, telle boucherie, telle pâtisserie, parce que nous avons reçu la demande de la boucherie en question de la contrôler, on ne peut pas imposer un contrôle à qui ne le veut pas. Donc si vous on dit à l'épicerie, on voudrait vous contrôler, on n'a pas besoin. Et d'ailleurs, c'est un gros travail, hein, contrôler une épicerie, c'est très très gros travail, parce que ça risque de leur restreindre beaucoup leur... C'est égal, normalement, c'est sur quelqu'un, pas sur quelqu'un, et lui, il est vendu, lui, il dit quand même qu'il y a un rabbinat, lui, des fois, qu'il peut faire entrer des choses, il ne peut pas faire entrer, je pense que ce serait normal. Alors, parlez aux épiciers, dites-leur qu'ils demandent un... Vous comprenez que c'est l'épicier qui doit faire la demande. Et puis
Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein, si vous êtes d'accord, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.